Il n'y a de toi que le nombre de fois où mes pensées se chahutent, se cognent au silence des ombres venues de trop loin pour se faire entendre. Il n'y a de moi que ces éternelles interrogations féminines qui te martèlent sans cesse à coups de questions. Il n'y a de nous que ce voyage en roue libre face à cet inconnu que l'on appelle le risque. Ceux qui les ont vus savaient à quel point rien n'existait autour d'eux. Ceux qui, surpris, regardaient ces deux-là sur le point de se quitter, s'imaginaient la suite. Ceux qui, jaloux, enviaient leurs gestes, ne sauront jamais qu'après cette porte, ils se sont perdus. Sans arrêt le passage, lui montrer qu'il était libre d'aller et venir, lui raconter comment l'accès était simple, lui répéter sans cesse des mots qui lui confirment qu'il n'y a pas de danger à avancer. Lui envoyer une boussole, et quand enfin le pas fut franchi, il lui prit la main, lui montra comment grimper les marches plus vite, lui demanda de coller son oreille sur la table comme lui, enfant. À son tour, il lui ouvrit son passage. Il lui toucha le bras, comme si elle était étrangère à lui. Elle montait les marches, sentit une main la saisir, le vit lui sourire, et lui fit remarquer qu'elle avait changé d'avis. Elle ne pouvait pas lui répondre. Elle ne pouvait pas lui dire ce qui était entré en elle, qui n'en sortait plus depuis des heures. Il ne pouvait pas savoir qu'elle portait ce message à travers l'autre. Il ne savait rien d'autre d'elle qu'un nom et une adresse. Si elle pouvait s'arrêter et le lui dire, elle l'aurait à cet instant transformé en pierre. Elle passa son chemin, sans un mot pour l'épargner. Il la laissa prendre sa place et retenta l'expérience. Il ne saisit pas encore qu'elle faisait partie de cette race qui ne dit pas pour dire, qui ne fait pas pour faire, et qui ne pleure pas pour pleurer. Elle joua le jeu des présentations sans un sourire forcé et prit congé. Il n'accepta toujours pas qu'elle s'éloigne ainsi alors qu'elle avait été si proche. Il ne savait pas qu'elle portait en elle un sentiment sacrifié. Avec tout ce qu'elle venait de lui avouer,
Elle ne pouvait plus imaginer un instant qu'il la comprendrait. C'était si simple de se taire, simple de taire son impatience, si simple de sortir de son tiroir de fille bien élevée des attitudes demandées, simple d'y trouver la revue des bonnes manières et celle de la femme soumise à son cavalier. Simple de le retenir, plus qu'une nuit, en lui disant ce qu'il attendait, et simple de jouer à la séduisante nouvelle aimée. Elle préféra sortir le tiroir des femmes insoumises à l'amant et lui dire ce qu'elle lisait dans la revue des mal élevés. Elle apprit qu'une femme devait attendre son amant sans cesse pour qu'elle accomplisse son devoir. Elle apprit qu'une femme pouvait également ne pas attendre son amant pour qu'elle accomplisse le devenir de ses ancêtres. Les femmes insoumises et libératrices d'une autre espèce. انا نقول على مرايا وادي ما بقات اهتيا ما بقات اهتيا. La route qui s'ouvrait devant elle était faite de platanes qui rendaient l'atmosphère sombre. Alors que la voix du chanteur alourdissait davantage la triste vérité qu'elle venait d'apprendre. Elle ne comprenait pas pourquoi tout accompagnait ce qu'elle était en train de franchir. Quand elle retrouva un peu de lumière, la voix s'était tue. Tout ce qu'elle abandonna n'avait plus de sens. Elle ne pouvait plus faire marche arrière. Les platanes, de toutes les façons, avaient fermé la route et il n'était plus question de se retourner. Elle passa le reste de son temps à vaincre cette douleur qu'il n'avait même pas soupçonnée, il n'avait même pas songé qu'il risquait de lui ôter la vie. Il ne comprenait pas à temps que le prix à payer allait être fort et qu'il ne pourrait plus reculer. Les platanes les avaient séparés à jamais. Il n'arrivait plus à la voir tellement les branches étaient épaisses. Il commença à souffrir de cette absence jusqu'à perdre sa beauté. Elle s'arrêta. Après suffisamment de distance. Quand les branches perdirent enfin leurs feuilles, ils purent se regarder de loin, sans pouvoir oublier ces traîtres arbres. Couleur terre, rapportez-lui le vent, le fleuve, les couleurs et les feuilles des arbres. Racontez-lui comment le tissu qui l'entoure protège d'autres femmes. Les oiseaux, nommez-les. Parlez-lui du ciel, de la naissance du fleuve et de sa trajectoire. Ses yeux vont alors voir le monde dans son ensemble apaisant. Un moment. Pour que tu sentes la vie, ferme les yeux un instant et pense à sourire. La vie, quand elle arrive,
ne se formalise pas avec le deuil d'un autre jour. Le souffle se fait par provocation. Tout est dit dans une fraction de seconde. Si ça continue, c'est d'espoir et non de crainte qu'on se nourrit le plus. Pour que tu sentes cette mort, mon amour, ferme les yeux un instant. Ça doit être la même chose. On lui donna la définition d'un homme comme étant porteur de semences et la femme comme celle qui contient, telle la terre, la mer ou la nature. Elle se disait insatisfaite par cette définition car sans la semence, la nature ne serait pas ce qu'elle est. Elle restait ainsi à se poser toutes les questions sur cette relation quand elle fut interrompue par un orage estival. La chaleur retomba enfin. Elle venait de plonger dans un monde musical où les femmes et les hommes pouvaient changer de partenaire sans risquer d'attraper le sida, où ils rêvaient de changer le monde ensemble. Elle se disait que l'homme et la femme vivaient aujourd'hui dans un monde malade.